Allez, bonsoir tout le monde. Nous sommes jeudi soir, 19h30. Cuisses, abdos, fessiers, 40-45 minutes d'entraînement, uniquement sur les membres inférieurs et sur le centre du corps. Régalez-vous ce soir. J'ai concocté 2-3 petits mouvements pour vous. De nouveaux mouvements. On y va. Échauffement pendant 5 minutes. Et après, on est parti. Hein. Allez, parfait. Roulez la place. Placez-vous en squat. Pied extérieur de hanche. Levez le buste. Abdos serrés. Squat. 2 et 2. 1, 2, 2 et 1. Vers le bas. Et vers le haut. Allez, on lève le buste. On serre les abdos. Et on descend, on pousse les hanches en arrière. Voilà pour l'instant. Restez en 1 et 2 et 2. Et mettez en place le mouvement de squat. Écrasez vos talons pour activer la chaîne postérieure et surtout les fessiers. Dernière, on accélère un peu. Single. Bas. Oh. Rappelez-vous que la semaine dernière, il n'y a pas eu 4, hein. C'était férié. Vous avez deux fois plus d'énergie ce soir. Hein. Allez, 3 pulses, on va. 3, 2, 1. Pressez vos genoux vers l'extérieur. On active les hanches, l'ouverture, mobilité. Ok, fente alternée. Lentement à droite. 1, 2, 3, on change. Les deux mouvements sont simples, classiques. Les squats et les fentes. Allongez, descendez loin en arrière. 15 secondes. I got no rules, I got them. Faites un long pas d'arrière. Les deux genoux descendent à 90. Ok, on repart. Squat. 2 et 2. En bas. Et en haut. On prépare nos quadriceps, l'avant des cuisses et tous les membres du bas du corps. Ok, ouvrez. 2 et 2. Bas, bas, haut, fermez. 2 et 2. Ok. À gauche, ouvrez. Bas, bas, au centre. 2 et 2. On travaille un peu les déplacements, l'ouverture du squat. Encore. Salut Max. T'arrives au parfait moment, c'est le début de l'échauffement. Allez, tracez, descendez un peu plus bas. Essayez plus bas. Ok, parfait, sur place. Couez. Léger, tranquille. On va juste activer un peu le cardio, les mollets et les chevilles. Ok, si possible. Levez un peu plus haut. Je vais essayer d'être calme ce soir. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Ok, au fur et à mesure, amenez les genoux vers l'avant. Pour l'instant, restez assez bas. Tirez les genoux, activez vos bras. C'est mes voisins qui vont être contents que j'arrive ici en tout cas. Ok, un tout petit peu plus haut. C'est assez lent comme tempo. Parce que les genoux doivent être assez puissants. Une, deux, une, deux. Ok, fente, jambe droite. Ici, et on tire, squat. Bas, bas, on tire, fente. Ok, une fente d'un genou, un squat. Un genou, changez, fente, genou, squat, genou, dernière fois, que des fentes, single, droite, pause, gauche, pause, allez, écrasez votre jambe avant, sentez bien les ischios. Parfait, statique. Bloqué à droite. 10 à 12 secondes.
Ça va dépendre si je suis gentil ou pas. Non, manat. Ok, parfait. Switcher la jambe. Tente statique à gauche. Oh, bientôt la plage libre. Eh, bientôt on va pouvoir se baigner. C'est bon ça. Rapide dans le sol, l'amplitude. 4, 3, 2, couler. Ouh, je transpire déjà trop. Allez, léger. Relâchez vos épaules. On va pomper une dernière fois le cardio après l'échauffement est fini. Ok? Tirez vos genoux haut. Essayez maintenant de plus en plus haut pour pomper vos abdominaux. 4, 3, 2, 1, stop. Relâchez, soufflez un peu. Allez, échauffement terminé, relâchez un peu vos jambes. Buvez un petit coup, ça fait du bien. Que de l'eau, hein, bien sûr. Faut boire, que de l'eau. Allez, on part à la suite. Travail de renforcement bas du corps pour commencer. Premier mouvement, squat avec quelques ouvertures à droite et à gauche. Replacez-vous en squat large. Pieds sur les hanches pour commencer. Squat 2 et 2. 1, 2, 2 et 1. Pour l'instant, ça vous connaissez. Hein? Tranquille. Flexion. Extension. Bam, 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 bam. Parfait. Ok, maintenant, ouvrez à droite. 2 et 2. En bas. Ouvrez à gauche. 2 et 2. On travaille sur l'ouverture de vos hanches pour cibler un peu plus les fessiers. On y va? Accélérez. Bas, haut, bas, haut. Oh, Mika qui fait un gaffe. Qu'est-ce que passe-t-il? Allez, mettez plus d'amplitude, un peu plus de vitesse. 15 secondes. Mettez de la puissance sur la montée. Pour l'extension. Bas, haut. Parfait. Statique. Bloqué en bas. Allez, restez bas. Tension musculaire dans vos quadriceps. Ouh. Ça bouge la tête. Et... on repousse. Single, droite et gauche. Droite, pousse. Gauche, pousse. C'est bien, je me vois en double là. C'est cool. Eh, salut toi. Ok, parfait. On reprend. Bloqué. C'est comme ça. Ici, vous devez sentir la brûlure et la profondeur musculaire. On repousse. Droite et gauche. Droite. Dernier tour. Écraser le sol sur les extérieurs des pieds. Bingo! Statique, bloqué. Vos hanches sont basses vers l'arrière et le buste au lèvre. Et là, je me mange le sourire dans la bouche. 4, 3, 2, 1. Relâchez un peu vos jambes, soufflez un peu. Parfait. On a fait un mouvement simple, c'est le squat. Deuxième mouvement. Regardez, vous avez l'habitude de faire des fentes arrière. Très bien. Ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va faire des fentes croisées. Donc ici, votre jambe se dirige en diagonale derrière l'autre et vous croisez la jambe. Ok? On croise et on replace. Objectif, attention du mouvement. Gardez vos hanches de face. Placez-vous en semi-squat. Bas sur les hanches. Point crevé. Jambe gauche derrière la droite. 2 et 2. 1, 2, 2, changez. Donc là, vous croisez la jambe vers l'arrière. On dirait que vous m'avez là. Pourquoi on croise? Recrutez un peu plus
l'extérieur de vos cuisses et vos fessiers externes. Parfait. Le genou reste vers l'avant. 15 secondes. Et nous surtout, n'oubliez pas de rester bas quand vous ramenez en squat. C'est le plus important. Allez, encore 10 secondes, je suis gentil. J'ai rendu une petite recap. Normalement, vous sentez les fessiers et les ischios. Hein. Dernière fois. Ok, pente, jambe droite. 1, 2, 1 et 2. Vers l'arrière et léger devant. Et là, normalement, vous allez me détester. 15 secondes. Vous allongez votre jambe derrière et vous ramenez la légère flexion en bas. Restez bas. Dernière fois. On change de jambe. Jambe gauche. Ici, vous allongez. Vous ramenez bas. On est bon? Encore 4 fois. Écrasez votre jambe d'appui. Encore 2 fois. C'est chaud là. Ok, on alterne. Single. Let's go. Droite, pause. Gauche, pause. Restez bas. Restez bas. 15 secondes. Est-ce que vous pouvez descendre un peu plus bas pour mettre plus de pression et d'activation des fessiers? Bingo. 4, 3, 2, 1, stop. Relâchez un peu vos jambes. Good. Comment ça va l'équipe? Ok. La suite, on va faire une combo squat plus fente, ok? Rappelez-vous de l'échauffement, fente, genou, squat, genou, ok? Allez mes petits avec moi, mes petits fous, c'est ça? Allez mes petits, venez avec moi, hein. Allez, mince au niveau des hanches. Légère flexion sur la jambe droite. Fente, genou, tranquille. Deux et deux à droite. 1, 2, genou, ouvrez à droite, squat, tirez en haut, fente, genou, squat, genou, ici, vous prenez votre temps pour sentir les sensations sur la jambe gauche, 15 secondes, essayez de tirer votre genou un peu plus haut. Normalement, ça pique, hein. On accélère. Single. Bas, haut, bas, haut. Allez, puissance sur l'extension. J'ai une bonne nouvelle. 15 secondes. On veut des fessiers en béton, hein. Hier soir, on a regardé Top Chef, on a bien mangé. Maintenant, on va travailler un peu les fessiers. Hein. 15 secondes de plus, c'est pour midi. Allez, vous me connaissez trop bien, bien sûr. Quelle idée, vous le saviez. Allez, reste encore. Dernier tour. Stop. Également, vous brûlez des calories, c'est cadeau, c'est pour moi. On change de jambe. Génial, merci Pascal. On change de jambe. On passe sur la jambe gauche. Replacez vos épaules et la posture. C'est le même travail. On change de direction. Fente genou. 2 et 2. 1, 2, 1, 2.
1, 2, 1, 2. La même chose. On change le travail sur la jambe. Et gardez la flexion. Hein. Gardez la flexion sur la jambe. Gardez la tension. Bingo. 15 secondes. Essayez d'être encore un peu plus bas. Vous allez voir toute la différence qui va se créer. On y va? Accélérez. Bas, haut, bas, haut. Descends sur l'extension comme d'habitude. Il reste combien de temps? 30 secondes. Genou un peu plus haut pour activer vos abdos. Let's go. Qui c'est qui monte le genou un peu plus haut? Nat? Les deux Nat? Virginie? Ouais, facile? Isa, facile. Il reste combien de temps? 15 secondes. Je suis en train de foutre de la flotte partout. C'est génial. Il fait trop chaud. En plus, on brûle de l'eau. C'est bien ça. 4, 3, 2, stop. Relâche, s'il vous plaît. Ça a été ça? Buvez un petit coup. On enchaîne. Yeah, 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 yeah. La suite, on va se placer au sol. Ceux qui ont fait 100% d'eau, vous connaissez ce mouvement. Vous allez vous mettre à cheval. Mains sous les épaules, paume de main au sol. Genoux sous les hanches. On va commencer par travailler en extension sur la jambe d'avant. Bizarre, toujours bizarre. Allez, placez-vous à cheval. Abdos serrés. On commence. Extension arrière, jambe droite. 2 et 2. 1, 2, 2 et 1. Vous s'allongez vers l'arrière. Vous le voyez ou pas comme ça? Je pense que vous voyez ma jambe ce temps. Hein. Allez ici, épaules basses, abdos gainés et on est pas mal. Quand vous allongez, contractez volontairement les fessiers. Allez, 15 secondes. Quand vous ramenez le genou, ne touchez plus le sol, pas besoin. Gardez cette tension et cette fatigue. Dernière fois. On y va? On y va ou pas? Ok, single. Haut, bas. Haut, bas. Serrez vos abdos pour sécuriser vos lombaires. Parfait. Gardez la jambe tendue. Tout petit vers le bas. Petit, petit. Yeah, 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 yeah. Appuyez sur vos mains pour stabiliser le haut du corps. Oh, il fait chaud, hein? 15 secondes. Vous sentez ischio fessier lombaire. Bienvenue sur la chaîne postérieure. Ok, 4, 3, 2, pliez, restez. Restez. Talons vers le haut, pointe de pied vers le bas. Isolez vos fessiers. Petit, en haut, pulse, pulse. Là, vous poussez le talon et vous sentez l'activation de vos ischios en ramenant le talon vers les fessiers. 15 secondes. Et vous me connaissez bien, je pense. Ouais. Vous la voyez bien ou pas? 4, 3, restez en haut. Alors si ça tremble, c'est normal. Si ça brûle, c'est encore plus normal. Allez, un tout petit peu plus haut. 4, 3, 2, stop. Oh.
Ah, vous inquiétez pas, le sang bien aussi. Hein. Allez, relâchez un peu vos jambes. C'est une piscine. Ok, on change de jambe, on fait le même travail. Là. On fait le même travail de l'autre côté. Ok? Allez, replacez-vous. Relâchez un peu les poignets s'il faut de temps en temps, hein, n'hésitez pas. On change de jambe. Même position, changement de jambe. Cette fois-ci, la jambe arrière. Extension. Abdos serrés, épaules basses. On part en 4, 3, extension 2 et 2. Haut, haut, bas, bas. Pour l'instant, jambes tendues, on tire le genou et on repousse. Allez, tranquille. Ici, on prend le temps. Pourquoi? Pour pouvoir mieux contracter vos fessiers. Reste en 2 et 2. Notre objectif sur ce mouvement, flexibilisez un maximum vos fessiers et vos ischios. Dernière fois, on accélère le mouvement. Single. Haut, bas. Poussez le talon loin derrière et ramenez les pointes de pied vers vous. Ouh. 15 secondes. Ne touchez plus le sol. Hein. Je sais qui tu es, tu me souviens. C'est exactement ça, Florence. Ok, parfait. Petit, en bas. Petit, petit, petit. Vous allez dire merci pour bien sentir vos fessiers. Hein. 15 secondes. Est-ce que vous pouvez monter le genou un peu, la jambe un peu plus haute? Ouais, on essaie de faire ça. Pas de problème, Xavier. Il sera en replay dès la fin. Parfait. Stop. Bloqué. Pas si vous entendez. J'ai une piscine. Parfait. Pulse. En haut. Là, regardez. En ramenant le talon vers les fessiers, ça va contracter vos ischios jambiers. Parfait. Statique. Bloqué. Gardez l'engagement de vos hanches, de vos abdominaux. Pour garder votre bassin face au sol. Ne pas twister. Deuxième tour. Dernier tour. Pulse. Pa, 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 pa. Qui c'est qui lève le plus haut? Je vous vois. 4, 3, 2, reste en haut. Les 30 dernières secondes. Les 30 dernières secondes. Résistez. Ça va bon? Un petit café? 15 secondes. 15 secondes. C'est bien ce que vous faites. Gardez l'engagement et gardez cette fatigue. On travaille là-dessus. Bingo. 4, 3, 2, 1. Je ne me souviens même pas à quel point je transpire. Allez, relâchez un peu. Buvez un petit coup. Ah, c'est du bien, hein? C'est du bien, c'est du bien. Quelle heure est-il? Oh! Ok, avant de passer aux abdominaux, on va faire un petit truc. Séance, on va amener un peu le cardio. On va pimenter le tout sur les jambes avec du cardio pour finir. Ok? Faites-moi confiance, ça va bien se passer, promis. Allez, go! What is made of? Ok, on va combiner un peu les squat jumps, les pentes plio. Les genoux et le statique. Quoi? Tout ça? Vous inquiétez pas, suivez-moi. Pour l'instant, replacez-vous en squat large.
droite, 2 et 2. Bas, bas, haut, haut. Tranquille, on repart tout doucement. On remet en place. Faites-moi confiance. Ne vous inquiétez pas, je vous aime bien. Dernière fois. Vente alternée. Single. Bas, haut. Bas, haut. On a fait les squats. On fait les fentes. Après, il y a les genoux en place. Pour l'instant, genoux haut, courez. Vos genoux sont tranquilles pour l'instant. C'est la mise en place. Ok? On va accélérer un peu tout ça. Squat, squat, squat. Single. Bas, haut. Bas, haut. Là, on va faire monter l'intensité. Vous allez voir. C'est de la magie. On reprend. Fente, single. Droite, gauche, droite. 15 secondes par mouvement. Ok? On est bon? Alors on y va. Sans place, genoux. Un peu plus haut. Voilà, passe. Maintenant, activez les bras pour pouvoir tirer vos genoux un peu plus haut. Oui, Florence, c'est pas mal ça. Ok, squat jump. 15 secondes. On a fait 2 et 2, on a fait single. Maintenant, on fait des jumps. Ok, parti. Fente, plio. Droite, gauche. Droite, gauche. Plié, poussé. Le cœur va avoir du mal, ne vous inquiétez pas. Genoux, levez. Il reste 2 tours. 2 tours. On a fini le jump. Il y a quoi à la fin? Statique. Bloqué. Restez bas. Essayez un peu plus bas. Juste ça. Parfait. On switch. Fente. 15 secondes. Écrasez votre talon avant pour activer l'arrière de vos cuisses et lâchez le postérieur. Switchez. Bloqué. Je vous aime bien. Je vous aime beaucoup, mais vous allez voir, il reste un dernier tour. Et il n'est pas cadeau. Alors, petite récup. Sur place. Courez. Et là, ça fait du bien. Mais il reste un tour. Un tour. Ok. Sur place. Squat jump. 15 secondes. Ici. Plié. Poussez haut. Plus haut, plus haut. Pense, plus haut. Promis, c'est la fin. Allez, courage. 15 secondes. Genoux. Cette fois-ci, beaucoup plus rapide et beaucoup plus bas. Allez, allez, allez. Vitesse, vitesse. Après, c'est la pause. 4, 3, 2. Non, ça va vous? Allez, soufflez, buvez un coup. Faites-moi un pouce si vous êtes encore là. Si vous êtes encore en vie, lâchez-moi un gros pouce. J'ai une très bonne nouvelle aussi pour vous. On a fini avec les jambes. Ouais, c'est clair. On a fini avec les jambes. Vous savez ce qu'il nous reste? 10 minutes, à peine, sur nos abdominaux.
Oh Marie. Marie elle est prête hein. Marie Le pouce de Valérie. Oh c'est beau ça, c'est beau. Ok, on y va. Il reste 10 minutes sans faute du corps. Relax. On va lâcher un peu les jambes et se concentrer uniquement sur votre centre du corps. Ok. Allez, là c'est bouger le dos. Comme moi je transpire, mais je te jure que moi c'est pareil. Chez moi, c'est une piscine. Allez, allongez-vous sur le dos. Ici, talons proches des fesses. Main au niveau des tempes. Abdos serrés. Main sur les tempes. Ouvrez vos coudes. On va commencer l'échauffement des abdos. C'est crunch. 2 et 2. 1, 2, 2 et 1. On va faire quelques mouvements pour activer le centre, le haut et le bas des abdos et les obliques. Ok, 40 secondes. Genoux sous les hanches et vous décollez un maximum vos omoplates pour contracter vos abdos. Comme ça. Dernière. Ok, plus les jambes. Crunch, inversé. Les genoux se dirigent à la poitrine. Et on décolle le bas du dos et les coccyx. On repart, c'est crunch. 3 pulses. 3, 2, 1, et on pose. 3. Can we still be? Ok, option supplémentaire. 3, 2, 1, extension. 3, 2, 1, allongé. Je veux la même couleur des cuisses dans vos abdos, n'oubliez pas ça. Hein. Derrière. Ok, stop. Relâchez vos épaules. Ok, ici. Gardez vos pieds au sol. On va faire des crunchs en punchant. Vous connaissez ça au 100% abdos. Allez ici, 2 et 2. 1, 2, 1 et 2. Punch, punch, pause, pause. Les punches nous permettent de décoller vos omoplates un peu plus haut. Let's go! Can we still be? Allongez vos bras, mettez l'amplitude. 15 secondes. C'est comme si on faisait un body combat. Hein. La garde est haute. Vous allongez vos bras, mettez de l'amplitude. 4, 3, 2, stop. Ok, maintenant vous allez allonger vos jambes au-dessus des hanches. Jambes tendues, on va faire de petites pulses vers le haut. Let's go. En haut, en bas. En haut, en bas. Donc là, vos jambes sont tendues, vous les poussez vers le haut en déprimant le coccyx. Ok, stop. Allongez vos bras. Décollez le dos statique. Jambes tendues. Bras tendus. Le dos décollé. 4. 3. On reprend. Les jambes. Haut. Bas. Haut. Bas. L'angle des jambes est environ à 45 et 90 entre les deux. Et vous poussez vos hanches vers le haut. Allongez. Statique. Still be. Là, c'est comme si on faisait un... Comme si on faisait un V, hein. On faisait un V, hein. Comme ça, comme ça. Parfait. Rajoute 15. Ça devient trop dur. Fléchissez vos genoux. Et restez dans ces crunchs. Oh, ça brûle. I do say. Ok, stop. Est-ce que vous avez la même brûlure que moi là? Parce que moi ça déboîte. Ok. La suite, vous allez rester sur le dos. Et on va activer uniquement nos jambes. Donc, moi je vais me reculer un peu.
Allez-y, mettez-vous sur le dos. Allongez vos jambes à 45. Les bras restent au sol. La tête reste au sol. La jambe avant descend. Deux et deux. Bas, bas, haut, haut, jambe arrière. Ici, une jambe reste fixe et l'autre descend. Option. Si vous avez des douleurs dans le dos, fléchissez vos genoux. Je suis pas sur mon temps avec la musique là par contre. Je vais baisser un peu ça. Au moins vous me voyez, c'est bien. Allez, encore 15 secondes. Oh, Facebook ne va pas aimer cette musique. Elle est un peu trop connue pour que je joue. Voilà, ça va la musique. Si vous pouvez, jouez avec l'amplitude de vos jambes. Hein. Ok, stop. Genoux sous les hanches. Restez genoux sous les hanches. Je reviens, je me replace. Essayez d'écouler votre dos. Placez-vous en ces crunch. Trois pulses. Extension. Go. 3, 2, 1. Allez chercher vos talons. Décollez votre dos. Maintenant, jouez sur l'extension complète. Marie, vas-y encore. Hein. Un peu plus loin. Encore. Encore. Dernière fois. Bloqué en V. Wow. Ça, c'est du gainage pur. Hein. Stabilisez vos jambes. Décollez le dos. 15 secondes. Si jamais ça devient trop lourd, n'oubliez pas de fléchir vos genoux ou d'arrêter la position, n'oubliez pas. 4, 3, 2, il est 20h09. Il nous reste quelque chose à faire. Le gainage, mais avant ça, on va faire un peu de gainage. En mouvement. Ici, vous allez vous placer sur les paumes de main en planche. Épaules basses, genoux, planche, orteil. Regardez la suite. La jambe avant, on ouvre, on touche, on pose, on vous place. Jambe arrière. 1, 2, 3, 4. On ouvre, genoux, coude, on pose, on pose. Allez, ouvrez votre jambe, tirez vers le coude pour activer vos obliques. On n'a pas encore activé les obliques. Hein. Option sur vos genoux, restez au sol. Le tout, c'est de ramener le genou plus proche du coude pour avoir ça, ce mouvement de côte vers le bassin. Pratique, restez en planche. Et oui, la fatigue dans vos épaules, vous la sentez aussi, hein, vous inquiétez pas. C'est pareil. Waouh, waouh, waouh. Ok, genou alterné, tape au sol. Let's go. Devant, derrière. Devant, derrière. Le dos lâche. Restez statique sur vos genoux. 4, 3, 2, planche. 15 petites secondes. Appuyez les mains, abaissez vos épaules. Allez, Virginie, courage. 4, 3, 2, 1. Ok, il est 20h11. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mademoiselle Nathalie Dudan, est-ce qu'on fait à la fin du gym postural? Vous avez 30 secondes pour répondre, sinon c'est trop tard. Il reste, on va se faire 1 minute 30 parce que je suis gentil et qu'il fait très chaud. 1 minute 30 de gainage et c'est la fin de la séance. Ok? C'est plus ou moins votre challenge du jour, tenir 1 30 en position statique de gainage. On y va? Allez, mettez-vous en place sur les coudes, sous vos épaules, planche face au sol.
4, 3, 2, 1. Et il y a Spider-Man chez moi. Allez, placez-vous sur les coudes. Bien, Nat. 1 minute 30. Épaules basses, vous inspirez le nombril et vous serrez vos fessiers. Option si ça devient trop lourd, trop fatigant pour le dos et les lombaires. Posez vos genoux mais restez gainés. Hein. Et vous inquiétez pas, et lancez un chrono. Je suis gentil, je lance un chrono. Va ouvrir la porte, pourquoi va ouvrir la porte? Ah! Allez, stabilisez. Il reste 45 secondes. Quoi? On a fait de la moitié? Et ouais. Ouais. Concentrez-vous sur le contact du corps en inspirant le nombril et en serrant vos fessiers. Ça va vous aider, vous inquiétez pas. Il vous reste 20 secondes. Isa, Virginie, c'est plutôt facile. Valérie, normalement, le record du monde, il est atteignable. Hein. Marie, pareil. Il reste 10 secondes. Enfin, là, il en reste 10. 5, 4, 3, 2, 1. C'est chaud. C'est très chaud. Allez, relâchez un peu. Fin de séance terminée. Fin de séance terminée. Oula. Et je suis également un peu fatigué, je crois. Séance terminée. Bravo à tous. Buvez un petit coup. Relâchez vos jambes. C'est fini. Comment ça va? Pour YouTube, merci d'avoir suivi la séance. Rendez-vous tous nos lives encore sur YouTube. Bientôt aussi sur le site Girondin Fitness. Ne t'inquiétez pas, on prépare plein de trucs. On prévoit la suite, on ne sait pas comment ça va se passer, mais peut-être bientôt. En tout cas, continuez sur nos lives sur YouTube. Et puis à très vite, à demain, de toute façon, il y a plein de vidéos tous les jours.